Tu sais ce qu'on dit, cher ami, certaines personnes sont des investissements et d'autres sont des dépenses. Et cela s'applique aussi en ce qui concerne les femmes que tu fais rentrer dans ta vie. Certaines femmes sont des investissements, d'autres, malheureusement, sont des dépenses. Sans des nuisances, sans des personnes, sans des femmes qui vont te mener à ta perte, inéluctablement. Alors mon pote, lorsque tu te mets en couple ou lorsque tu choisis une partenaire, choisis sagement. Et je vois beaucoup d'hommes, malheureusement, par souci, par cette idée fallacieuse du prince charmant, ou par souci de jouer les héros, ou par naïveté, ou par excès de générosité, s'entourent, ou simplement par manque d'opportunités aussi, et c'est souvent le cas, s'entourent de femmes qui sont chaotiques, qui les mènent vers une vie chaotique, une vie complètement catastrophique, disons-le. Et au lieu de s'entourer de femmes, de faire rentrer dans leur vie des femmes qui vont être des investissements, des femmes qui vont les supporter dans leurs objectifs, dans leurs ambitions, dans leur aventure, dans leur développement personnel, dans la direction qu'ils ont envie de prendre dans leur vie, qui vont être des coéquipières, des partenaires dans cette aventure qu'ils vivent, ils prennent des femmes qui vont être une sorte de fardeau à porter sur leurs épaules. Des femmes qui les freinent dans leur évolution. Des femmes qui les empêchent d'avancer. Qui sont chaotiques. Qui ne servent qu'à finalement se foutre et rabaisser ce que sont ces hommes. Ce qu'ils essaient de devenir. Et ça, c'est pernicieux. Et ça, c'est ce qui va encore une fois te mener à ta perte, mon pote. Alors, je vais te dire une chose, cher ami. Comme disent les Américains. It's not your job to fix a broken woman. Ce n'est pas ton job, ce n'est pas ta responsabilité de trouver des solutions ou de sauver une femme qui est broke, une femme qui a une vie chaotique, une femme qui est en train de se tuer elle-même et de te tuer aussi par la même occasion parce que tu es avec elle. J'aimerais que tu nuances mes propos tout de même. Je n'aimerais pas que mes propos soient mal interprétés. Ce que je te dis, ce n'est pas que tu dois abandonner ta copine, ta partenaire, à chaque fois qu'elle a un petit problème. Ce n'est pas ça. Il faut savoir nuancer. Ce que je dis, c'est que il faut ne pas s'entourer de ces femmes qui sont tout le temps dans le chaos, qui ont une vie qui ressemble à un bordel, qui ont des problèmes familiaux, qui ont toutes sortes de problèmes professionnels, familiaux, qui sont une décharge de problèmes, qui sont une valise, un bagage de problèmes, et que tu dois à chaque fois trouver des solutions à ces problèmes, la réconforter, lui trouver des solutions, être là pour elle constamment au point de mettre de côté tes priorités, tes passions, tes ambitions, toutes ces choses qui sont importantes pour toi. Et une femme, au contraire, je te le répète, cher ami, une femme est là pour te supporter. On est, comme je te l'ai partagé dans une ancienne vidéo, le couple, c'est un outil. Ce n'est pas une fin en soi. Parce que certaines personnes, certains hommes, par manque d'opportunité, par peur de se retrouver seul, parce que la peur est très mauvaise conseillère, par peur de se retrouver seul, choisissent la première partenaire qui veuille bien les accepter. C'est le propre du mâle bêta, c'est le propre du nice guy qui n'a pas des opportunités. Donc forcément, il va prendre cette femme qui est broke, qui est pleine de problèmes, qui est emplie, qui a pléthore de problèmes, et il va s'entourer d'elle, il va faire sa vie avec. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que tu te mets dans une merde. Pas possible, cher ami. Tu n'en as même pas conscience. Une femme, peut-être que tu ne le sais pas, une femme est un investissement. Certaines femmes sont des investissements. C'est juste que tu ne les as pas encore rencontrées. Tu n'as pas encore trouvé des femmes de qualité. Mais il y a des femmes qui sont de véritables investissements. Qui t'aident au quotidien. Bon, je vais prendre un exemple simple. Ma copine, et j'aimerais pas, c'est pas pour lui jeter des fleurs. Comprends-moi, c'est-à-dire pour te donner un exemple, ma copine actuelle, sans elle, je te le dis sincèrement, cher ami, je ne pourrais pas avoir le rythme de publication que je te fournis sur la chaîne, je n'aurais pas pu créer et faire beaucoup de choses qui m'ont amené à être là, et peut-être qu'elle n'est pas, que tu ne la vois pas, qu'elle est derrière les coulisses, mais elle m'aide énormément, elle me permet de me passer, en fait, de me focaliser sur mon travail, sur ce que je fais, sur la chaîne, sur ce que je te partage, sur la production de vidéos, sur la production de toutes ces formations, sur l'édition, sur tout le travail que je te partage sur cette chaîne, sur tout le contenu que je te partage. Et en fait, elle me décharge de tout un travail, de toute
tâches qui vont venir encombrer mon esprit. Elle essaie de nettoyer tout ça et faire en sorte que mon esprit soit focus sur la chaîne, sur mon travail, sur ce que je te partage. Et ça, c'est un énorme plus. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est en train... Elle n'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est quelqu'un qui m'aide au quotidien. C'est quelqu'un qui m'aide d'une grande utilité. Et donc, qui m'aide beaucoup. Et qui me supporte mentalement sur plusieurs aspects. Et des femmes comme ça, il y en a. Il faut juste les trouver. Il n'y a pas que ma copine. Il y en a. Il faut juste les trouver. Il y a des femmes de qualité. Mais mon pote, si la peur fait que tu choisis la première femme qui daigne te donner un peu d'attention, ou qu'en fait tu n'as pas un état d'esprit d'abondance qui fait que finalement tu n'as pas de choix, tu n'as pas d'opportunité, tu n'as pas d'option, et que tu es prêt à te mettre par peur de te retrouver seul avec la première venue, bien forcément tu vas te retrouver que dans des relations toxiques et chaotiques. Tu vas te retrouver qu'avec des femmes qui sont des boulets, qui vont être des fardeaux à porter pour toi. Et si déjà ta vie est chaotique, si déjà tu te sens pas bien, si déjà t'es pas bien sur, tu n'avances pas bien sur tes projets, etc., et que tu te dis, bah, le couple, ça va me sauver, une femme, un partenaire, c'est quelqu'un qu'il me faut, donc je vais être en couple et ça va me sauver, je vais avoir quelqu'un à mes côtés, et qu'au contraire, cette femme, c'est pire, eh bien, tu es en train d'empirer ta situation au lieu de l'améliorer. Donc, cher ami, fais très attention à qui tu t'entoures et fais très attention aux femmes que tu choisis. Ne t'investis sérieusement dans un couple, dans une relation exclusive avec une femme, que si c'est une femme de qualité. Teste-la d'abord. Vois si c'est une femme qui est faite pour le long terme, pour t'accompagner dans ton aventure, dans ton développement personnel, dans ton évolution. Le but, c'est d'évoluer. Et cette femme doit t'accompagner dans ton évolution. Et si tel n'est pas le cas, tu n'as pas à te mettre en couple, tu n'as pas d'obligation. Et la peur n'a pas à faire que tu te mettes en couple. Mais bien sûr, le fond du problème, c'est le manque d'opportunités. C'est le fait de ne pas développer un état d'esprit d'abondance. Parce que, bien sûr, t'as beau comprendre la philosophie que je te partage là, t'as beau comprendre l'idée que je te partage ici, si tu n'as pas d'opportunité, tu continueras de faire toujours les mêmes erreurs. Tu continueras de choisir des femmes qui ne te conviennent pas, qui ne te correspondent pas, qui ne sont pas alignées avec ce que tu aimerais devenir, qui ne sont pas alignées avec tes ambitions. Parce que tu te contentes du peu que tu as, tu n'as pas le choix. Et le choix, c'est ça qui te donne du pouvoir. C'est ça qui te permet d'aller de l'avant. En fait, si tu veux avoir une vie intéressante, un couple intéressant, forcément, il faut que tu aies du choix. Si tu n'as pas le choix, encore une fois, tu vas prendre ce qu'il y a. Tu vas prendre limite les miettes. Et je suis désolé de dire ça comme ça, mais c'est ainsi, c'est la réalité. Dure et froide. C'est que si tu n'as pas le choix, si tu ne développes pas un état d'esprit d'abondance, si tu ne développes pas tes opportunités, si tu n'essayes pas d'optimiser tes opportunités amoureuses, si tu ne te développes pas toi-même avant, si tu n'essaies pas d'avoir un lifestyle intéressant, si tu n'essaies pas de développer ton style vestimentaire, si tu ne comprends pas la psychologie féminine, si tu ne comprends pas les mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes, si tu n'as pas une mission de vie, des objectifs que tu veux réaliser, si tu ne prends pas en main ta vie, si tu ne développes pas toutes ces choses, toutes ces choses que je te partage souvent sur la chaîne, toutes les idées majeures que je te partage sur la chaîne, tu referas toujours les mêmes et les mêmes erreurs, encore et encore. Ce n'est pas ce que je te souhaite, cher ami. Je te souhaite une vie épanouie, une vie de couple épanouie aussi. Que tu sois en couple, non pas par besoin de te retrouver avec quelqu'un ou par peur d'être seul, mais parce que tu l'as véritablement choisi. Tu es avec quelqu'un que tu as véritablement choisi. Tu étais bien seul, tu étais déjà épanoui seul, tu étais déjà heureux seul, tu avais une vie sur mesure, tu avais une vie que tu kiffais et tu as... Fais rentrer cette femme dans ta vie, non pas par manque d'opportunité, mais parce qu'elle répondait à tes critères, parce qu'elle faisait partie des femmes de qualité que tu veux faire entrer dans ta vie. Et c'est là toute la différence. C'est là toute la différence, cher ami. Et je vois beaucoup d'hommes gâcher leur potentiel parce qu'ils sont avec des femmes qui doivent tirer comme des boulets, qui les freinent dans leur évolution, qui, même pire, se foutent. On a tous déjà fait ces erreurs, j'ai même été dans ce cas, qui se foutent de leurs ambitions, qui les rabaissent, on a tous été des nice guys, des bêtas à un moment donné, plus jeunes. Et ces femmes, il faut s'en éloigner. Il faut chercher à te développer, à t'améliorer pour choisir des femmes de qualité. Et contrairement à ce que certaines mentalités défaitistes essayent de glisser insidieusement dans ton esprit, il n'est jamais trop tard. Il n'est pas trop tard pour que tu reviennes
pour que tu reprennes, pardon, ta vie en main, cher ami. Il n'est pas trop tard pour que tu avances. Peu importe les erreurs que tu as commises par le passé, peu importe la vie que tu as eue par le passé, peu importe les expériences désastreuses ou traumatisantes que tu as eues par le passé, l'important, c'est ce qu'il y a de l'avant. L'important, c'est ce qu'il y a devant. Et aujourd'hui, tu peux commencer à avancer. Tu peux commencer à transformer ta vie. Tu peux commencer à t'améliorer. Mais ça ne dépend que de toi, encore une fois. Tu peux choisir de t'apitoyer sur ton sort, de trouver des croyances limitantes qui te réconfortent dans ta misère, qu'elle soit sexuelle ou dans le chaos de ton quotidien, ou tu peux tout simplement essayer d'avancer, voir ce qui ne va pas, essayer de résoudre des problèmes. C'est comme ça qu'avancent les personnes qui ont de la réussite dans la vie, qui sont successful. Ils essayent de résoudre des problèmes, ils essayent de trouver des solutions à leurs problèmes. Ils sont pragmatiques, ils voient qu'est-ce qui manque dans mon quotidien, qu'est-ce que je devrais améliorer, qu'est-ce que je devrais améliorer dans mes rapports sociaux, dans mes interactions sociales, dans mes interactions avec le sexe opposé, qu'est-ce que je devrais améliorer. Sur quoi j'ai du contrôle? Parce que ça ne sert à rien, encore une fois, de passer son temps à s'apitoyer sur des choses que tu ne peux pas changer, qui sont ainsi faites. Mais par contre, les choses que tu peux changer, les choses que tu peux influencer, c'est là que tu dois mettre ton focus et c'est là que tu dois travailler activement. Donc, cher ami, si tu viens de tomber sur cette chaîne et que tu es quelqu'un de motivé, tu es un homme ambitieux, tu as fait quelques erreurs par le passé, tu as été maladroit, tu n'as pas eu assez de chance ou peu importe comment tu analyses les faits, il n'est pas trop tard et il est temps pour toi de changer. Et sur cette chaîne, on travaille à se développer, à prendre en main notre développement personnel, à devenir des hommes meilleurs, à comprendre les mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes et ainsi décupler notre potentiel de séduction. Donc si ces thématiques t'intéressent, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, cher ami, j'espère que tu as compris l'essence de mon message. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la rétribuer d'un like. C'est un énorme soutien pour mon travail et ça envoie un message fort à l'algorithme. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao !